En 2017, la chanteuse Sheila apprenait la mort de son fils Ludovic, âgé de 42 ans. À l'époque, elle devait se produire sur scène le mois suivant et assurera le show malgré le tragique événement. L'artiste revient sur ce moment de sa vie avec émotion dans Sheila, toutes ces vies-là, un documentaire diffusé sur France 3 vendredi 6 janvier 2023. Dans la nuit du 7 au 8 juillet 2017, Sheila apprend l'impensable. Son fils, Ludovic Chancel, âgé de 42 ans, a mis fin à ses jours. Il est retrouvé inanimé suite à une overdose médicamenteuse. Pour la maman, le monde s'arrête et le deuil devient difficile à faire. En effet, en septembre dernier, sur le plateau de Vivement Dimanche, Annie Chancel s'était confiée à Michel Drucker sur ce tragique événement. Il a eu une vie qui n'est évidemment pas celle que j'aurais choisie pour lui. Après, sa route c'est sa route, elle a évidemment beaucoup traumatisé la mienne parce qu'il est parti de l'autre côté. Et malheureusement, les parents qui perdent un enfant, on ne s'en remet jamais, il faut le savoir. Pourtant, l'artiste va s'armer de courage et va continuer à chanter et à se produire pour son public. Les larmes 6 ans après CIST, ce que raconte Sheila vendredi 6 janvier 2023 dans un documentaire inédit. Pour France 3, elle revient sur toutes les grandes étapes de sa vie. Ses succès musicaux, son amitié avec Claude François, ou encore son mariage avec le chanteur emblématique Ringo, la chanteuse n'oublie aucun détail. Elle se remémore bien évidemment la naissance de son fils Ludovic, dont elle a fait filmer l'accouchement. Son enfant est indéniablement le plus grand amour de sa vie, confie-t-elle, avant de revenir sur ce jour où la mort de Ludovic Chancel a été officialisée. Un mois après son décès, l'artiste devait se produire sur scène. Si tout le monde lui conseille d'annuler, la maman déchirée qu'elle est décide d'assurer le show. Sur France 3, elle se demande si elle est un être humain, ou si elle est inhumaine. Un moment bouleversant durant lequel les larmes lui sont montées aux yeux. Pour Sheila, il est important de s'accrocher et de continuer d'avancer pour son entourage et pour son public.